Donc jeudi 23 décembre, la date fatidique approche et je vous retrouve, donc il est 14h, j'ouvre seulement ce vlogmas parce que ce matin en me levant, pas d'électricité, donc qui dit pas d'électricité dit pas de chauffage, donc accoutrement laine, voilà. Je me suis dit, je vais pas ouvrir les calendriers ce matin, ça sert à rien. Déjà que quand il y a la lumière artificielle, on voit rien. Alors, sans lumière du tout, à la bougie, j'ai pris mon petit déjeuner à la bougie. Je me suis dit, c'est pas la peine. Alors, t'as vu Christine? Là, elle est où? Là, il y a ta carte dans le sapin. j'ai bu mon café de ce matin. C'était un petit déj classique, voilà. Alors, celui de 14h. Café du Pérou. Ça va être trop bon. Je goûte ça tout à l'heure et je vous dis ce que j'en pense. Alors, on va aller direction les calendriers de l'Avent. Alors, je vous installe. Hop. Ouf là, vous êtes tombé. Pardon. J'espère que vous n'avez pas trop mal. N'hésitez pas à crier si je vous ai fait mal. Hein. Et je vous demande pardon. Hein. Voilà. Alors, le 23. Oh là là, ça diminue. Il n'y a plus rien. Le 23, on a des petites moufles. On part en moufle. En parlant de moufle, je vais tricoter pour Alice une petite paire de moufles et un petit bonnet. Parce que hier, ils sont revenus du manège et Alice avait perdu ses moufles et son bonnet. Donc ma maman m'appelle, elle me dit nounou, on a besoin d'une paire de moufles et d'un bonnet en urgence. Alors, nounou, elle va s'exécuter. Hein. Alors, le coloris du jour, colombe. Est-ce que l'on va avoir du blanc? Oh, ce serait beau, du blanc. Bah oui, pour Noël, il faut de la neige. On n'a pas de blanc dans ce calendrier. Oh, c'est beau. Bah alors, c'est pas blanc, mais c'est gris. Gris perle, pas gris colombe quoi, hein, on va pas s'embêter, hein. Si Christelle a dit colombe, on va dire colombe aussi. Arrête de sauter sur mon châle, je me fais attaquer, elle saute sur les bouts qui pendent. Hop. Un joli gris. Non, c'est pas pour toi. Tu veux quoi? Un collier avec? T'en ferais quoi? Hop. Je me fais toujours attaquer. Hop. Voilà, la jolie coloris d'aujourd'hui. Je ne sais plus si on a... Ah bah non, on n'en a pas parce que c'était le dernier, hein, le 12. Oui. Donc on va ouvrir les deux petits en plus. Hop, on va mettre celle-là. Donc on a deux petits sachets, des petites potions qui n'ont pas de numéro. Ah non, tu manges pas ma plante. Non, ça c'est pas le droit. Alors, ça va bien me réchauffer ça. Deux petites infusions. Donc on a montréglisse et tilleul. Très bien, parfait.
Et le deuxième petit paquet. Bon, bah, je crois que tout le monde a deviné ce que c'est. Est-ce que vous voyez, vous? Moi, je sais ce que c'est. Ah oui, là, vous voyez, là. C'est blanc et rouge. Pardon. Un petit sucre d'orge. Merci, Barbara. Les enfants vont se régaler. Voilà. Alors, non, tu manges pas ma plante. J'ai dit non, non, non. Je voulais vous montrer, j'ai reçu ça aussi. Magnifique. C'est la mamie d'Alice qui me l'a offerte ce matin. Donc, toujours verser des larmes. Voilà, une jolie plante. Elle m'a dit... c'est pour vous remercier d'être aussi gentille avec Alice. Mais j'ai dit, mais c'est normal. Je ne conçois pas mon métier en étant méchante avec les enfants, c'est pas possible. Voilà. Non, mes orchidées. Non, 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 non. Voilà. Donc, là, je vais aller tricoter. Enfin, d'abord bobiner parce que aujourd'hui, il n'est pas encore bobiné du coup. Donc je vais bobiner mon petit écheveau et puis et ensuite le tricoter, voilà, et je vous retrouve au goûter pour vous montrer mon avancée et puis pour papoter un petit peu. Voilà, à tout à l'heure. Coucou. Alors je vous retrouve aujourd'hui donc Il est 15h30. Je vais vous montrer donc l'avancée de mon étole. Hop. Qui est bien plus grande que moi. Donc voilà le coloris et le début de la dentelle. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais je n'ai pas la transition. Pourquoi ? Bah, j'ai pas eu assez de laine d'hier, je sais pas pourquoi. Donc, tant pis, j'ai pas fait de transition, c'est pas très grave. Ça me dérange pas. Je sais pas si ce que j'ai fait hier, si j'ai tricoté trop lâche, j'en sais rien. Hop. Alors, elle est immense, hein, je peux pas vous la montrer. Voilà, donc le coloris du jour, c'était quoi déjà? Je ne sais plus. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais plus. Il y avait une histoire d'hiver, parce que j'ai pensé à la neige. C'était un oiseau. Hirondelle? Non. Colombe. Colombe. Ouf. Alors, colombe. Le froid ne me fait pas du bien. Le coloris, donc, colombe. Que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vous retrouve ici? Normalement, c'est pas mon point de vue pour... pour l'après-midi. Mais ma question, une de mes questions d'hier, donc, a été par mon meilleur ami. Il veut voir tout mon stache. Voilà. Donc, je vais vous montrer mes écheveaux et vous dire ce que c'est et tout et tout et tout et tout. Donc, ça risque de prendre un peu de temps, hein, parce que j'en ai quand même un peu des écheveaux. Alors, c'est parti. Je range juste ma pelote pour ne pas me prendre le pied dedans et ne pas faire une cascade en direct. Ce serait dommage quand même. Alors, donc, ça va me mettre un bazar sans nom, Richard. Hein? Merci. Hein? Alors, j'ai de la ginger de Atelier Balibou. Donc, c'est 100% Merinos Superwash, 400 mètres, 100 grammes.
Et c'est le coloris reflet impérieux. Donc c'est un très beau turquoise avec des speckles. Alors, hop, je vais vous le dérouler, hein. Je vais ouvrir tous mes achats. Alors, en fait, c'est pas vraiment des speckles. S'étend en fait sur un certain nombre de centimètres dans d'autres coloris. Voilà. J'adore. C'est très joli. Alors, c'est tout doux. Bon, le problème, c'est que c'est de la super wash. Donc, bah, je sais pas trop ce que je vais en faire encore. Parce que, bah, comme je vous l'ai déjà dit, moi, je préfère. Bon, bah, voilà, il n'y aura plus d'étiquette sur celui-là, c'est pas grave. Je préfère les laines rustiques, comme ça, comme la clopie. Ça, vous voyez, c'est un truc que je porte tout le temps, quoi. J'adore. Voilà. Alors, ensuite, comment je vais m'organiser? Bon, je vais tout mettre par terre, hein. Et puis, je ramasserai tout après. Merci, Richard. La question qui tue. Alors, ensuite, j'ai. Je vous montre par l'eau, hein, parce que ce sera plus simple, hein. Voilà, donc j'ai ce lot-là. Alors, j'ai 4 écheveaux noirs, un rouge. Donc ça, je pense faire du jacquard avec. Qu'est-ce que c'est que ça? De la ziblin. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient. J'ai eu ça en destache. Moi qui ne tricote jamais de noir. Mais bon, c'était un lot avec d'autres écheveaux pour lesquels j'ai craqué. Et du coup, ben voilà quoi. 70% laine, 30% polyamide. C'est 50 grammes, 133 mètres. Donc, je sais pas. Je sais pas. C'est assez. Ouais. C'est pas doux, mais ça pique pas. C'est sec. Voilà, donc 50 grammes, 130 mètres. Donc, une sport. Une déca. Non, une grosse déca. Déca Worsted. Fabriquée en France, Hautes-Alpes. Ah, bah, c'est la filature du Valgaud de Mar qui fait ça. Donc voilà, j'ai 4 écheveaux de noir et un de rouge. Donc en tout, ça me fait 133 mètres x 5. Donc 500 et 150, 650 mètres, j'ai à peu près. Voilà, donc pourquoi pas un jacquard. Pour peut-être une petite robe pour Alice, je sais pas, je verrai bien. Voilà. Ensuite, on continue. J'ai ces 4 écheveaux. Alors là, c'est un peu saturé. Voilà, là, c'est comme ça. 4 écheveaux donc de laine vilaine. Alors, qu'est-ce que c'est? Starlet et soie déca. Donc c'est 212 mètres pour 100 grammes. C'est 75% mérino extra fin, 20% soie et 5% stellina argent. Voilà, donc ça j'adore. Donc j'ai 212 mètres x 4, donc j'ai 850 mètres à peu près. Donc il va falloir que je vois ce que je fais avec en déca. Voilà. Alors là, c'est pareil, c'est un bleu avec
des rayures, enfin des rayures, de la teinture d'autres coloris, enfin d'autres nuances. C'est très joli, j'adore, et c'est tout doux, vraiment c'est tout doux. Et puis les paillettes, moi j'adore. Donc voilà, ça je pense que je m'en ferai un pull. 850 mètres, je dois avoir assez pour un pull, moi, en décapant pour moi. Voilà, ensuite. J'en ai 5 en fait. Ah, elle n'était pas rangée avec. J'en ai 5. Donc j'ai plus. Ah, mais elle n'est pas du même. Ah non. Ah. Alors attendez. J'en ai 5, mais elles ne sont pas du même bas. 8. B09. Ah bah si, pourtant. Si, pourtant elles sont du même bas. Ah non, 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 non. Alors, combien j'ai de bains différents? Aïe, aïe, aïe. Bon, je pense que 1700, 1700. Ouais, c'est ça. J'en ai 4 d'un bain et une d'un bain différent. C'est pour ça que je l'avais rangé ailleurs, je pense. Donc, je me ferai un pull avec les 4 là. Et ça, ben, pourquoi pas une paire de chaussettes. En déca, ça serait sympa. Voilà. Ensuite, j'ai cette petite merveille. Alors, c'est violet, hein. Voilà, comme ça. C'est de la Vidalana que j'ai eue dans une box Knit Crate. Parce qu'en fait, il y a 3 ans ou 4 ans, les patrons que j'avais à Nancy m'ont offert un abonnement pendant un an à Knit Crate. Donc pendant un an, je recevais soit des box chaussettes, soit des box par deux. Donc voilà. Là, c'est 100% Superwash Merino. C'est une sport. 340 mètres, non, 310 mètres, 100 grammes. Voilà. Donc ça, bah, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. On verra bien. Ensuite, j'ai cette merveille de kit que j'avais acheté à Nathalie pour faire une paire de chaussettes. Donc c'est sa base Gaïa. Pour info, ma grande s'appelle Gaïa. Donc, dès que j'ai vu la laine sortir, j'ai acheté. Voilà. Et puis, ben, du bleu, quoi, forcément. Hein, donc, voilà. D'où l'achat de ce kit. Tout allait bien. Donc, c'est 75% Superwash Merino, 25% nylon. 50 grammes, 200 mètres, plus 20 grammes, 80 mètres. Voilà. Donc, j'ai 70 grammes. J'ai largement assez pour me faire une paire de chaussettes. Peut-être même avec 50 grammes, j'ai assez. Donc peut-être utiliser le verre dans autre chose. Je sais pas, je verrai. Je verrai au moment de m'en servir. Voilà. Ensuite, on continue. J'ai ça. Alors ça, c'est pareil. C'est le contrastant d'un kit, mais lequel, je ne sais plus. D'ailleurs, Richard, je crois que c'est toi qui as le. Je crois que c'est le kit de Célène. Je crois que c'est toi qui as l'autre l'autre écheveau. Donc voilà. J'ai cassé mon kit. Mais j'adore ce contrastant et du coup, bah, j'en ferai quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est Lana Chaussette. Ensuite. J'ai ce superbe lot que j'avais eu en destache. Donc, je vous montre les coloris. Alors, j'ai deux bleus comme ça. J'ai un bleu comme ça. J'ai deux gris. Et j'ai un bordeaux.
Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un kit que j'avais acheté en pistache. C'est tous les mêmes? Normalement, oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est de la Titus Bantam. Alors, je ne connais pas du tout. Mais quand j'ai vu ce lot en destache, j'ai dû payer 50 euros le lot, donc j'ai pas hésité. C'est 70% British Wool, 30% Alpaca. Alors la composition, franchement, j'adore en plus. Je me suis dit que je ferais un jacquard avec ça, et puis voilà. J'ai 320 mètres pour 100 grammes. Donc voilà. Donc dites-moi hein, si. Si vous avez des modèles à me proposer, je suis preneuse. Ensuite, ah, elle est venue me rejoindre, forcément. Ensuite, j'ai ce kit de Madeleine et Philibert que j'avais acheté pour faire le châle. C'était le châle printemps de comment elle s'appelle? Alice, le lapin d'Alice. Alors c'est sa base single soie, celle-ci. 60% mérinos, 30% soie. C'est coloris Clermont-Ferrand. Fingering, 100 grammes, 400 mètres. Et le suri silk, baby suri 74%, 26% soie. C'est 50 grammes, 300 mètres. Voilà, donc deux beaux bleus. Donc à la base, j'avais acheté pour faire un châle. Mais les petits châles, je les porte pas beaucoup. À part celui que Richard m'a offert. Voilà, sinon non. Enfin, offert. Il a fait mieux que me l'offrir. Il me l'a tricoté et il me l'a offert. Merci Richard encore. Voilà, donc ça c'est coloris Arcachon. Voilà. Ensuite, ça c'est une laine à chaussettes qu'on m'a offerte. Alors je ne connais pas la compo du coup. Voilà, très beau bleu. Encore quelqu'un qui savait pas que j'aimais le bleu. Voilà. Ensuite. C'est long, hein, Richard. J'ai ce kit. Alors, attendez. Oui, ce kit. Non, il y a ça en trop. C'est un gradient de chez Atelier Balibou. Voilà. Pour les coloris. Donc ce vert que l'on retrouve dans ce jaune, ensuite du jaune avec un petit peu de blanc et le blanc que l'on retrouve ici. Alors, c'est de la Ginger, 100% Merino Superwash, 400 mètres, 100 grammes. Donc ça c'est coloris, j'ai pas de coloris. Bah les deux là, j'ai pas de coloris. Celui-ci, c'est bouton d'or. Et celui-ci, citrus caius. Voilà. Donc, bah, je sais pas ce que je vais faire. Sûrement un châle à 4 échevaux. Peut-être un fan dur fade. Ou un what the feather. Un bird of a saver. Voilà, je sais pas encore. On verra. Ensuite, on continue là. On fera en deux jours, Richard, hein, parce que l'autre il est encore plus rempli. Hein. J'ai deux écheveaux. Ah, j'en ai oublié en plus, j'ai pas tout là. Deux écheveaux, donc Illimani 100% Alpaga. C'est 260 mètres pour 100 grammes de laine de Joa. Alors ça, j'adore. Pour l'instant, je ne les ai encore pas tricotés parce que je ne veux pas me planter sur le projet, quoi. C'est
C'est très doux, c'est... J'adore. Alors le coloris, j'ai pas de coloris. C'est écrit numéro 6. Alors bon, ben, on va dire que c'est numéro 6 le coloris. Donc un beau jaune bien flashouille. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Et puis 100% alpaga, hein, donc c'est bien doux. Ensuite, qu'est-ce que j'avais avec? J'avais ces deux-là. En fait, c'était un kit. J'avais pris les quatre échevins en même temps. Deux jaunes et deux bleus. Donc, c'est de l'Illimani aussi. Et là, pour le coloris, oui, on a deux. Donc, c'est des numéros, les coloris. Voilà. Donc, bleu et jaune. Alors, moi, j'adore ce mélange. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça trop beau. 100% alpaga. J'ai 260 x 4. Donc, 24, 640 mètres. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. On verra bien. Mais en tout cas, j'adore. J'adore. Et quand je trouverai le bon projet, peut-être un châle en brioche. Oh oui, un châle en brioche. Waouh, double tuerie. Ça y est, j'ai trouvé ce que je vais faire avec. Un châle en brioche. Double tuerie. La tuerie de l'alpaga et la tuerie de la brioche. Trop bonne idée. Voilà. Merci à toi, Richard. Grâce à toi, je sais ce que je vais en faire. Ensuite, j'allais dire il m'en manque un, mais non, il l'a. J'ai ça, deux petits bouts de laine. Alors, je vous montre déjà les bleus. Donc, je vous les montre en même temps parce qu'en fait, là, j'ai répondu à un appel au test d'Audrey et je vais tricoter un châle avec ces deux écheveaux-là. Donc, il me restera le même combo après pour, je sais pas, on verra. Peut-être, si ça vous intéresse, une fois que le châle sera tricoté et que vous l'aurez vu, je le retricoterai, je le ferai gagner dans mon podcast. Pourquoi pas? Si ça vous plaît, dites-moi si l'idée vous plaît. Comme ça, on aura le même châle. Alors, c'est Sweet Thing, 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. C'est Pop 18. Le coloris, alors celui-ci j'adore. C'est très très beau, du turquoise, du vert pomme, du blanc, j'adore. Trop trop beau. Et celui-ci, c'est le coloris Rêve mon capitaine. Donc un beau bleu marine avec du blanc. Trop beau aussi. Et c'est la même compo les deux, c'est pour ça que je vais les mélanger sans problème. Donc dites-moi, enfin vous me redirez, je vous reposerai la question quand j'aurai fini le châle. Il est à tricoter pour février, pour le 10 février je crois. Donc vous me redirez ça et puis je pourrai vous tricoter le même et le faire et vous l'offrir. Voilà, ensuite. Bah j'en ai encore une comme ça. Bah c'est encore même pas le même bas. Voilà, donc encore une. Encore un écheveau, mais pas du même bas. Voilà, du coup je les range pas en même temps. Et puis ça, je m'en servirai facilement dans un châle quand il faut des écheveaux solitaires. C'est très pratique aussi. Voilà. Ensuite. Il me semblait avoir un troisième. Je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai ça. Très joli bleu ciel. Alors, c'est Folkestone Harbor Yarn. C'est 90% mérinos et 10% polyamide. Donc, pour des chaussettes, pourquoi pas. Peut-être que je m'en ferai
Il y a quoi là? Il y a 360 mètres. Pourquoi pas des chaussettes longues jusqu'aux genoux? Voilà, on verra. Donc, c'est coloris baby blue. J'adore le coloris. Ça, pareil, j'ai eu en déstache. Hein. C'est pour ça que j'ai craqué. Sinon, j'aurais jamais acheté ça, moi. Bah, déjà, c'est pas français. J'essaye le plus possible d'acheter français. Et puis, bah, j'achète sans nylon, moi, en général. Donc, voilà. Par contre, après, quand il y a des lots en déstache, bah, s'il y a un lot dans le lot qui me plaît et qui répond à mes critères, je prends. Voilà. Et puis après, bah, je me débrouille du reste. Le tricot, ça sert aussi à être partagé. Ça sert surtout à être partagé. Donc, j'en ferai sûrement quelque chose pour quelqu'un. Voilà. Ensuite, j'ai ceci. Donc, de Atelier Balibou. Donc, ça, c'est aussi un kit que j'ai acheté. Donc, c'est 100% mérinos. C'est 400 mètres 100 grammes. Et donc, c'est Califing, la base. Alors, les coloris, bah, j'ai pas de coloris. Ah, si, là. Au bord du bleu. Et le jaune, j'ai pas. Donc, comme vous voyez, j'adore mélanger le bleu et le jaune. Je trouve que ça va trop bien. Le bleu et le rose, pareil, j'adore. Et j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite. J'ai ça de petits bouts de laine encore. Donc j'ai 3 échevaux. Bah, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, c'est le coloris rêve. Donc ça, j'avais pris... je ne sais plus pourquoi. J'en ai 3 échevaux, dont 2 déjà bobinés. Voilà. Donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Ça, c'est une couleur que je ne porterai pas clairement. Donc ça, je vais offrir. Voilà. Tricoter quelque chose et l'offrir avec. Voilà. Ensuite. J'ai ce lot-là. Donc de Knit Crate, toujours. Hein. C'est 75% Merino Wool, 15% soie et 10% cachemire. Alors ça c'est de la trop bonne base. J'ai combien? 366 mètres pour 100 grammes. Je sais pas trop ce que je vais en faire parce que j'en ai que 2 échevaux, puis c'est assez bariolé quand même. Donc un pull peut-être pas. Peut-être dans un jacquard, mais il faut que la base ne soit ni mauve, ni bleu, ni mauve, ni jaune. Ça va être assez compliqué. Donc je verrai, voilà. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais ça va être une douceur absolue. Peut-être des chaussettes. Pourquoi pas? On verra. Voilà. Ensuite, on arrive à la fin. J'ai un écheveau de Squirrel Yarns. C'est J'ai raté mon Klein, le coloris. 80% Superwash. Merino Superwash, 10% cachemire, 10% nylon. 100 grammes, 400 mètres. Donc c'est super doux. Ça, je vais en faire des chaussettes. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai ça que j'avais eu aussi dans un lot de déstache. Donc, c'est tellement vieux qu'il n'y a plus rien sur l'étiquette. Donc, je ne sais pas ce que c'est du tout. Je ne connais pas la compo. Il n'y a plus rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est doux. Voilà. Et c'est un peu plus gros que de la fingering. Voilà.
Ça, c'est de la fingering, oui. Oui, donc c'est au moins de la déca. Je pense que j'ai peut-être 250 grammes. Mètres, pardon. 250 mètres. Donc dans un beau bleu, hein. Forcément, s'il y a du bleu, je prends. Voilà. Ensuite, j'ai ces deux écheveaux qui sont 75% mérinos, 25% nylon. Donc pour faire des chaussettes, parfait aussi. C'est doux. Je pourrais en faire un vêtement aussi, pourquoi pas. C'est de la crème queue. 75% pure laine et 25% nylon. Oui, bah c'est ce que je vous ai déjà dit. Voilà. Donc là, j'ai 200 grammes. Donc oui, je pourrais faire un petit vêtement, pourquoi pas. Un vêtement pour enfant. Voilà. Ensuite, on arrive au bout. Alors ça, j'ai plus l'étiquette, mais c'était un écheveau que j'avais eu chez Petit Bout de Laine aussi. C'était de la Sweet Fingering aussi. Voilà, un très beau bleu à speckles. Enfin, c'est les speckles qui sont bleus, mais il y en a tellement qu'on a l'impression que le cake est bleu en fait. Voilà. Donc ça, c'est fingering 100 mètres 400 grammes. Non, c'est l'inverse. 100 grammes 400 mètres. Ensuite, j'ai ça. Donc ça vient d'un kit à chaussettes aussi, mais lequel je ne sais plus. Voilà, donc 120 grammes, 80 mètres. Ensuite, j'avais ça pour aller avec la crème queue. Donc peut-être faire des chaussettes ou un petit gilet à paillettes. Je verrai bien ce que j'en ferai. Ensuite, ça, c'est un reste de tricot et stitch. C'est son mohair soie. C'est tout doux. J'adore la couleur. J'ai fait le col brioche queen avec. De tricot et stitch aussi. Voilà, que j'ai offert à Richard. Voilà, un jaune bien pétant. Bien fluo, comme je les aime. Voilà. Donc, un petit reste. Ensuite, j'en ai qui n'ont pas d'étiquette, hein, mais bon, voilà, tant pis. Donc, j'ai ça, c'est un petit gris perle qui tire sur le bleu. Donc, ça, c'est un écheveau qu'on m'a offert, j'ai pas d'étiquette. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, à part que c'est très doux. Ça sent bon la lavande. Voilà. Ensuite, j'ai cette merveille. Ça, c'est trop beau. Ça, j'ai du. Ces petits bouts de laine aussi. Ah, bah oui, c'est un kit, une boîte de Noël que j'avais eu il y a. Ou un kit chaussettes, je ne sais plus. Elle fait souvent des petits kits ou box sweet chaussettes. Oui, donc c'était un kit chaussettes. Voilà, donc c'est 50% mérinos, 50% tencel. 333 mètres pour 100 grammes. Mais c'est d'une douceur. Le tencel, en fait, j'en ai jamais tricoté. Mais donc dans les chaussettes, ça peut remplacer le nylon. Et c'est aussi doux que de la soie. Et c'est une fibre naturelle. Donc à tester. Voilà, un joli gris avec des speckles rouges, bleu marine. Trop beau. J'adore. Voilà. Ensuite,
Bah ensuite, j'ai deux petits restes que je peux vous montrer. Trois petits restes avec lesquels j'ai tricoté des chaussettes. Donc voilà, mes restes de laine à chaussettes. Donc je pourrais en refaire, hein. Voilà. Et puis, maintenant, il va falloir que je range. Merci, Richard. J'ai le bazar complet. voilà. Donc, demain, je vous reprends pour le deuxième, qui est bien plus rempli. Donc, voilà. Je vous fais un petit aperçu. Voilà. Ah, maman. Donc, sur ce, je vais ranger et aller tricoter. À tout à l'heure. Je vous reprends 30 secondes. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler du pull pour Alice. De vous montrer mon avancée. Voilà, donc il avance très très bien. Voilà, plus que quelques rangs de sapins. Ensuite, il y aura la guirlande. Et puis, après, je finirai tout en jersey. Donc, je ne sais pas encore si j'aurai assez de laine rose. Il me reste toujours ça de la première. Il m'en reste une entière après. Je me dis qu'au pire, je ferai les côtes dans une autre couleur, on verra. Pourquoi pas. Voilà. Ça, je continuerai ce soir quand j'aurai fini mon indice. À tout à l'heure. Coucou, on est le soir. Je vous retrouve pour clore ce Vlogmas numéro 23. Alors, la dentelle du jour, voilà, magnifique, dans ce coloris couleur chat. Bon, à chaque fois que je me pose avec l'étole par terre, elles viennent tester l'étole, voilà. Alors, donc, dans ce coloris colombe, un très joli gris. Attends, Topaz, tu me fais bouger. Un très joli gris, voilà. J'adore le point, c'est très joli. Ça ressemble à une envolée de colombes, j'aime bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous fais profiter de Topaz. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos petits pouces vers le haut. Ça fait très très plaisir de voir que mon contenu peut plaire. J'espère d'ailleurs que l'idée du stash vous a plu. Et si c'est le cas, merci Richard. Voilà. si ça vous a plu, on continue demain, hein, parce que j'ai pas fini. J'ai encore mon deuxième meuble. Donc, voilà. Voilà du renfort. elle n'est pas assez toute seule. Voilà. Je vous dis à demain. Demain, je ne sais pas à quelle heure je vais ouvrir le calendrier. Parce que j'avoue que l'après-midi, c'est un peu mieux parce que vous voyez la bonne couleur, quoi. Donc, je pense ouvrir le café le matin et puis en rentrant à 14h le calendrier. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée et un bon tricot. Au revoir.